Avant midi, le 14 septembre 1822, un érudit travaille dans son bureau de l'Institut de France. Et voici que la porte est ouverte. Comment ouverte? Bousculée. Et celui qui entre, un homme de 32 ans, ressemble à un bolide. Et l'érudit reconnaît son propre frère, François Champollion, qui jette sur son bureau une brassée de documents et qui crie, qui hurle plutôt, « Je tiens l'affaire !» Et le frère, l'érudit sait très bien qu'il s'agit de l'Égypte, parce qu'il y a des années et des années que François Champollion pense à l'Égypte, travaille sur l'Égypte, et le voilà en effet qui développe un raisonnement qui se réfère à ses documents, à ses papiers, à ses papyrus. Et le frère l'écoute émerveillé. Et pourtant ce raisonnement s'arrête net. La bouche reste ouverte, mais plus aucun son n'en sort. François Champollion se raidit, puis s'abat comme une masse sur le parquet. Le frère se jette à genoux, dégrafe la cravate, ouvre la chemise, le cœur bat. Alors deux hommes vont porter sur une civière François Champollion chez lui, où l'attend sa jeune femme, Rosine. Il ne reprend pas conscience. Tous les soins des médecins n'y font rien, il reste dans le coma. Et ce coma va durer 5 jours. 5 jours pendant lesquels, évidemment, le frère aîné, l'épouse, bouleversée, craignent le pire, les médecins annoncent le pire. Et au bout de 5 jours, François Champollion ouvre les yeux, reconnaît son frère à son chevet, lui sourit et reprend le raisonnement très exactement à l'endroit où il l'avait laissé et il précise « Oui, j'ai découvert le secret des hiéroglyphes. » Je crois que parmi tous les siècles, c'est dans le domaine de l'extraordinaire le 19e siècle qui remporte la palme. Le destin de François Champollion est peut-être justement parmi ces destins extraordinaires le plus extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'insolite à chaque instant se mêle à l'exaltant. Oui, un homme seul, seul, François Champollion, en déchiffrant les hiéroglyphes, a rendu au monde des milliers d'années d'histoire qui lui échappaient. L'Égypte. Chaque fois qu'un voyageur européen se rendait dans ce pays, il en revenait avec d'étranges récits, avec des livres, avec des articles, des relations, et toujours c'était le même étonnement devant ces temples, devant ces pyramides, devant ces monuments de toutes sortes, et aussi la même question. Il y avait sur tous ces murs, intérieurs, extérieurs, de tous les monuments de l'Égypte, il y avait des inscriptions. Et ces inscriptions étaient rédigées en une écriture que l'on ne connaissait plus, les hiéroglyphes.
le fait qu'on ne pouvait pas lire l'écriture de l'ancienne Égypte faisait que l'on pouvait bien sûr admirer ces monuments. Mais que derrière ces monuments, il ne restait rien. Une maison sans savoir ce qu'y font ses habitants, qu'est-ce que c'est ? On connaissait ce qui restait de l'Égypte, on ignorait tout des Égyptiens. Et pendant des siècles, les savants de tout pays s'étaient acharnés à déchiffrer les hiéroglyphes. Ils voulaient savoir ce qu'était cette ancienne Égypte. Personne n'y était parvenu. Pour que l'on commence à entrevoir une solution, il avait fallu l'arrivée d'un Deus ex machina, bien inattendu, parce qu'il s'appelait Napoléon Bonaparte. On aime ou on n'aime pas Napoléon. Il a déchaîné autant de haine que d'admiration. Mais quoi que l'on pense de ses entreprises, je crois qu'il faut convenir qu'il s'agit d'un de ces esprits vastes dont parle Pascal. Il ne ressemble pas aux autres guerriers de l'histoire. Quand il revient d'Italie après sa campagne éblouissante, il pense déjà à une expédition en Égypte parce que maintenant l'Europe, il l'a vaincue. Il reste l'Angleterre. Or, il sait que l'on ne pourra pas aller vaincre l'Angleterre chez elle. Alors, l'Égypte. Pourquoi l'Égypte ? Eh bien, parce que en Orient, l'Angleterre est chez elle. Et qu'en la frappant en Orient, c'est une autre manière de la frapper dans son île. Le directoire accepte l'expédition, on prépare les armements, les soldats sont acheminés vers Toulon, mais voilà le singulier de l'affaire. Il n'existe pas beaucoup de généraux qui, en préparant une guerre, envisagent à l'avance ce qu'elle pourra apporter, cette guerre, aux sciences et aux arts. Et c'est pourtant ce que fait Bonaparte. Il charge le grand savant Monge de recruter aussi bien des astronomes, que des zoologistes, que des physiciens, que des médecins, des chirurgiens, et puis aussi des écrivains, et puis des artistes, de tout, des savants, comme on disait à l'époque. Et pourquoi ? Eh bien parce que il veut que tous ces hommes réunis, conduits par lui-même en Égypte, tentent à leur tour de percer le mystère de l'Égypte. Et ça n'est pas banal. Et il y a même, sur ces bateaux qui vont quitter Toulon, il y a même des imprimeurs parce qu'il envisage déjà Bonaparte de faire imprimer un journal en Égypte. Et puis il y a aussi un dessinateur, Dominique Vivant Denon, dessinateur habile qui a même publié sous le manteau, on n'en parle pas bien sûr, des ouvrages pornographiques d'une extraordinaire précision, et qui va suivre en Égypte tous les autres savants avec l'armée, avec une fougue extrême. Dominique Vivant Denon, par exemple, il a 51 ans, et pourtant, il va remonter le Nil avec les autres savants derrière l'armée, et chaque fois que Denon voit un temple, chaque fois qu'il voit un monument, une inscription, il la dessine immédiatement. Et voyez-vous, la collaboration de tous ces gens, eh bien, cela va donner, plus tard, une suite d'ouvrages incomparables, 24 volumes, qui s'appellera « La description de l'Égypte ». Et quand le dernier ouvrage sera paru en 1813, eh bien, on peut dire qu'une génération entière aura une nouvelle connaissance de l'Égypte. Et le point d'interrogation se posera avec encore davantage de violence. Mais cette Égypte extraordinaire, que renfermait-elle ? Et c'est précisément de l'expédition d'Égypte qu'allait sortir l'élément qui un jour permettrait à François Champollion de trouver la solution de l'énigme. Je vous ai dit qu'il y avait des imprimeurs dans l'expédition et que Bonaparte voulait faire un journal. Il a été publié, ce journal. Il s'appelle « Le courrier d'Égypte ». Et tous les Français qui étaient en Égypte le lisaient. Alors, dans un numéro de la fin du mois d'août 1799, « Le courrier d'Égypte » relatait une découverte.
Elle s'était passée près de Rosette, dans le delta du Nil, à peu près à 70 km d'Alexandrie. Et là, il y avait un vieux fort turc, le fort Rachid, que les Français avaient débaptisé pour l'appeler le fort Julien. Il était délabré, justement, les Français étaient occupés à reconstruire les murs. Et la pioche d'un soldat avait tout à coup rencontré une pierre. On avait déblayé autour d'elle et on avait sorti cette pierre de granit noir, pas beaucoup plus grande qu'une table, à peu près une petite table, 1 mètre de long sur 75 centimètres de large. Puis on avait appelé l'officier du génie qui commandait les travaux, qui s'appelait Bouchard. Bouchard avait reconnu que c'était une stèle et qu'elle comportait des inscriptions, 3 inscriptions. En haut, une inscription en hiéroglyphe, au milieu, dans une écriture que l'on ne situait pas bien, et en bas, une inscription en grec. Oui, en grec. Et le courrier d'Égypte déjà signalait à ses lecteurs l'inscription en grec, comparée aux autres, va-t-elle permettre enfin de déchiffrer les hiéroglyphes. On était donc sur la voie d'un espoir très précis. Malheureusement, 2 jours après la publication de l'article, le général Bonaparte s'embarquait clandestinement à Alexandrie pour la France. Vous connaissez la suite, le coup d'État du 18 Brumaire, le premier consul, l'empereur, etc. L'armée française d'Égypte, elle était restée. Elle allait se battre encore de longs mois, avec infiniment de courage, et avec quelquefois de fort bons résultats. Et puis le jour était venu où, n'ayant plus du tout de renfort venu de France, ni de commandant en chef, Bonaparte était parti, eh bien cette armée avait capitulé. La pierre de Rosette, la fameuse pierre aux 3 inscriptions, les Anglais l'avaient prise. C'est un certain Turner qui s'en était emparé, on l'avait chargé sur un bateau et conduite à Londres. Le roi en avait fait cadeau au British Museum, où elle est toujours. Heureusement, il y avait les savants emmenés par Bonaparte. Ils avaient pris une copie des inscriptions. Et la copie, elle, était arrivée en France. Alors, c'est une époque où il y a un gouvernement énergique en France. Et le ministre Chaptal a décidé qu'il fallait à tout prix déchiffrer enfin ces hiéroglyphes. Il a désigné un orientaliste célèbre qui s'appelait Sylvestre de Sassy. Pour déchiffrer les hiéroglyphes, il lui a remis la copie et que ça sorte. Alors Sylvestre de Sassy a travaillé avec acharnement. Et c'est à lui que revient le mérite d'avoir défini l'écriture du milieu. Donc, en haut, les hiéroglyphes, c'est-à-dire l'écriture de l'ancienne Égypte, en bas, du grec, au milieu, une écriture que l'on a appelée démotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les hiéroglyphes, quand on les voit, on se rend compte que les scribes qui les rédigeaient, si j'ose dire, qui les dessinaient, qui les calligraphiaient, ben, devaient mettre beaucoup de temps. C'est très joli à voir, mais visiblement, on va pas vite. Quand on fait des hiéroglyphes. Alors, au fil des siècles, ou plutôt des millénaires, on avait adopté une autre écriture. Une écriture qui était des hiéroglyphes simplifiés, une écriture cursive, c'est l'écriture démotique. Également de l'égyptien, mais avec une autre écriture. Et Sylvestre de Sassy, en partant des mots grecs que l'on connaissait bien, était arrivé à repérer certains mots dans l'inscription du milieu, dans l'inscription démotique. Par exemple, l'inscription grecque, on savait très bien ce qu'elle voulait dire, c'était un message rédigé par des prêtres chantant la gloire de l'empereur, ou plutôt du pharaon, Ptolémée V Épiphane. Alors Ptolémée, Sylvestre de Sassy, en avait trouvé l'équivalent dans l'inscription du milieu. Et il avait trouvé comme ça 2 ou 3 mots. Mais l'inscription du haut, en hiéroglyphe, Sylvestre de Sassy n'y comprenait rien. Il n'y avait pas de rapport. Il y avait des rapports avec l'écriture démotique, mais pas avec celle du haut. Les hiéroglyphes gardaient leur mystère. Alors Sylvestre de Sassy avait appelé à son secours un grand savant suédois, Akerblad.
qui lui aussi avait travaillé sur la copie. Il avait aussi trouvé des mots dans l'inscription du milieu, davantage que Sylvestre de Sacy. Mais pour les hiéroglyphes, rien du tout. Rien. Alors est-ce que réellement, jamais on y arriverait? Alors est-ce que réellement on resterait aveugle en ce qui concerne l'écriture de l'Ancienne Égypte, donc en ce qui concerne l'Ancienne Égypte elle-même? Ne sera dissipé ce mystère que le 14 septembre 1822, quand ce personnage étrange, qui s'appelait François Champollion, entrera dans le bureau de son frère et s'écriera « Je tiens l'affaire ». Car il faut en revenir à François Champollion, bien sûr. Et déjà, avant de naître, son histoire nous étonne. Monsieur Champollion était installé comme libraire à Figeac, dans le futur département du Lot. Il avait une femme qu'il aimait, il avait un fils qui avait 12 ans, une fille qui avait 1 an. Et sa femme, quelques mois plus tôt, était tombée malade, gravement, des rhumatismes articulaires aigus, à ce point que elle ne quittait plus son lit et qu'elle en était venue à être pratiquement paralysée. Tous les médecins appelés déclaraient qu'ils n'y pouvaient rien. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve plus de médecin pour soigner quelqu'un que l'on aime? Aujourd'hui encore, avouons-le, on fait souvent venir le guérisseur. À l'époque, on le faisait encore plus souvent venir. Il y avait dans la région un certain Jacou qu'on appelait le sorcier, et à qui l'on attribuait des guérisons tout à fait exemplaires. Monsieur Champollion a fait venir Jacques. Il est arrivé avec sa besace, dont il a tiré des herbes qu'il a fait chauffer dans le four. Il a étendu les herbes sur un lit, et il a demandé que l'on porte Madame Champollion sur ce lit. Pendant ce temps, avec d'autres herbes, ce qu'il appelait des simples, il a fait des tisanes. Il en a rempli 2 pots, l'un à faire boire à Madame Champollion, l'autre pour la frictionner. Et en partant, très à l'aise, Jacou a dit à Monsieur Champollion, elle sera sur pied dans 3 jours, et comme Monsieur Champollion serait crié, oui, oui, dans 3 jours, et dans quelques mois, elle mettra au monde un garçon qui étonnera l'univers. 3 jours après, Madame Champollion grimpait et descendait allègrement son escalier, et quelques mois plus tard, elle accouchait d'un garçon en parfaite santé, François Champollion, le nôtre. Alors ce garçon ne ressemblait pas à son frère, ni à sa sœur, ni à l'autre sœur qui viendrait plus tard. Il avait la cornée jaune, et si c'est un phénomène fréquent en Orient, c'est très rare en Europe. Le teint était basané, presque olivâtre. Et à mesure qu'il grandira, la courbe du visage évoquera bien plus un oriental qu'un européen. Alors, prédestination ou, comme certains oseront l'écrire, métempsychose. Il est né en décembre 1790, donc en pleine révolution, c'est la révolution qui commence. Il grandit pendant la révolution, voit croître l'arbre de la liberté, entend chanter la Carmagnole. Son premier maître est un vieux curé réfractaire. Mais si l'aîné, le frère aîné Jacques, est déjà doté d'une intelligence lumineuse, bien, le petit, lui, il surprend par sa précocité. À 5 ans, il apprend à lire tout seul. Et quand
les parents voient qu'il sait lire, ils se demandent, mais comment as-tu fait? Et il explique, comme une chose toute naturelle, que dans le missel de sa mère, il a repéré le texte d'une prière qu'il savait déjà par cœur, et étant donné les mots qu'il connaissait, qui étaient dans sa mémoire, il les a déchiffrés, je dis bien déchiffrés, dans le missel, c'est ainsi qu'il a appris à lire. J'aime bien qu'à 5 ans, Champollion ait déjà déchiffré. À 11 ans, le vieux curé déclare qu'il n'a plus rien à lui apprendre. Alors le frère, qui doit aller s'installer à Grenoble, le frère demande aux parents de lui laisser le cadet. Il l'installera là à Grenoble, au lycée de la ville. Les parents acceptent. Et quand il arrive au lycée à 11 ans, il sait déjà parfaitement le latin, il sait déjà parfaitement le grec, il peut réciter de mémoire des pages entières d'Homère, des pages entières de Virgile. Et cependant qu'il entre là dans les classes du lycée, et vous savez, au temps de Napoléon, l'emploi du temps d'un lycéen, c'est dur, on n'a pas une minute. Il n'a pour apprendre les choses qu'il apprend pour son plaisir, par exemple l'hébreu. Ben oui, il va se mettre à apprendre l'hébreu. Vous allez me dire, pourquoi? Ben parce qu'il a eu beaucoup de plaisir à apprendre le grec et le latin, donc il a envie d'apprendre l'hébreu. Ben il ne peut l'apprendre que après les classes, le soir, au dortoir, quand tout le monde dort. Il n'y a pas de lumière, mais il y a une fenêtre à gauche. Et puis il y a un réverbère dehors. Alors il lit pendant des heures la nuit et il apprend, il apprend, il apprend. Un jour, le préfet de l'Isère, qui est le célèbre Fourier, le grand physicien, le grand mathématicien, qui a d'ailleurs été en Égypte avec Bonaparte, vient visiter le lycée, interroge des élèves, interroge François Champollion. Et les réponses du petit Champollion sont si extraordinaires qu'il va plus loin. Et le petit lui répond, lui répond, lui répond, et Fourier lui dit, mais il faudra que tu viennes me voir à la préfecture. Et c'est ainsi qu'une étrange amitié entre ce grand savant et ce petit gosse va se lier, va se nouer, et Fourier va fournir le petit Champollion en livres, la chose dont il a le plus besoin, parce que pour apprendre les langues, parce qu'il va continuer, il va apprendre l'arabe tout seul, et puis le chaldéen, et puis les langues de l'Inde, et puis le chinois ancien. Pourquoi le chinois ancien? Bien parce qu'il a entendu dire, il a lu plutôt que peut-être que la civilisation de l'ancienne Égypte vient de la Chine. D'autres écrivains soutiennent le contraire, mais ça ne fait rien, il y a peut-être un lien entre la Chine et l'Égypte, donc il apprend le chinois ancien. Et il va maintenant apprendre le copte. Pourquoi le copte? Eh bien parce que cette langue fort peu parlée est l'héritage direct de l'Égyptien ancien. Et ça, on en est sûr, on le sait. La religion copte, qui est chrétienne, se sert de cette langue pour son rituel. La religion copte, c'est celle de l'Éthiopie, c'est celle de la minorité chrétienne de l'Égypte. Alors on a des textes coptes. Et Champollion, le petit Champollion, à travers le copte, c'est l'Égypte qu'il regarde. À l'Égypte. Eh bien parce qu'un jour, chez Fourier, il a vu des papyrus, il a vu des objets rapportés d'Égypte. Vous pensez bien que tous les membres de l'ancienne expédition d'Égypte, quand ils sont rentrés en France, ont rapporté des souvenirs. Fourier en a plein sa préfecture. Et sur les papyrus, et sur des tablettes de pierre, François Champollion a vu des signes. Des signes qu'il n'avait jamais vus. Il a demandé à Fourier, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça, mon petit, ce sont les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, oui, c'est l'écriture de l'ancienne Égypte. Mais est-ce qu'on peut la lire? Non, dit Fourier, c'est ça le malheur, on ne peut pas la lire. Et le petit, 12 ans, a dit à Fourier, eh bien moi je la lirai un jour.
Et voilà pourquoi il apprend le copte. Et pourquoi, bientôt, il sait le copte. Il a une curiosité immense. Déraisonnable son frère qui veille sur lui. Et j'aime ce frère parce que toute sa vie, l'aîné de Champollion ne vivra que pour son cadet, qu'il s'est mis à admirer follement tout petit et qu'il admirera toute sa vie et qu'il guidera et qu'il aidera. Et même, savez-vous ce qu'il fera, ce frère? Il changera de nom très tôt. Et il se fera appeler Champollion Figeac, puis bientôt Figeac tout seul. Pourquoi? Bien parce que, il disait, mon frère cadet deviendra célèbre. C'est lui qui va illustrer le nom des Champollions. Il ne faut pas que je lui fasse de l'ombre. Il ne faut pas qu'il y ait un autre Champollion. C'est beau, non? Et donc Figeac, appelons-le par le nom qu'il portera désormais, Figeac essaye de discipliner son cadet. Il lui dit, ne regarde pas dans tous les sens, tu fais mille choses à la fois. Mais il a besoin de faire mille choses à la fois, Champollion. Alors il écrit un livre à 12 ans. Un livre bien inattendu. Ça s'appelle « Histoire des chiens célèbres ». Ben oui, pourquoi les chiens célèbres? Mais en se référant à des quantités de textes de toutes les époques, il s'aperçoit que les auteurs ne sont pas d'accord entre eux en ce qui concerne les dates. Alors, pour s'apporter à lui-même de l'aide, il rédige une chronologie de l'histoire mondiale. Et il l'intitule, sans modestie, « Chronologie depuis Adam jusqu'à Champollion le Jeune ». Et les années passent et il s'enrichit considérablement. Il en est à savoir, comme un érudit, comme un linguiste, une douzaine de langues anciennes. Et il a moins de 16 ans lorsqu'il dresse une carte de l'Égypte ancienne sur laquelle il reporte toutes les informations que l'on peut connaître à cette époque-là en se référant à des auteurs antiques comme Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon, ou bien aux gens de l'expédition d'Égypte. Et il y a une académie à Grenoble, comme dans beaucoup de villes de province, fort respectable. Les académiciens entendent parler de ce jeune homme, de ce gosse, qui a dressé une carte de l'Égypte ancienne. Et on souhaite qu'il vienne montrer cette carte à l'académie. Et en la montrant, il faut qu'il prononce un discours. Il est d'accord, il va venir. Le 27 août 1807, c'est la fête au lycée qui marque la fin de l'année scolaire. C'est aussi la fin des études secondaires de François Champollion. C'est fini, il est libéré de la discipline. Il est libre. Et je vous assure, c'était très dur, la discipline dans un lycée impérial. Le 1er septembre, il est à l'Académie de Grenoble, on n'a jamais vu ça. Et entre-temps, entre le moment où on lui a demandé de venir prononcer ce discours, il a commencé à le rédiger, puis il n'a pas pu se limiter. Et en fait, il est en train d'écrire un livre entier qui s'intitule « L'Égypte sous les pharaons ». Alors, il ne peut pas lire un livre entier devant l'Académie, il lit l'introduction. Et quand il a fini, il est acclamé par l'ensemble des académiciens qui sont debout, frénétiques. Et immédiatement, l'un d'eux déclare « Il faut que nous élisions ce jeune homme parmi nous ». Et il est élu académicien à l'unanimité. Il n'a pas 17 ans. Comment poursuivre ses études à Grenoble? C'est impossible. Et c'est Figeac qui le conduit à Paris. 70 heures de diligence. Parce qu'il n'y a qu'une école où il puisse étudier désormais, c'est le Collège de France. Collège de France créé par François Ier, miraculeusement sauvé des grands changements de la Révolution française. Et Figeac le laisse seul à Paris, seul. Il n'a plus près de lui ce frère qu'il adore, il n'a pas près de lui la jeune fille qu'il aime parce qu'il est amoureux. Son frère s'est marié durant l'été et au mariage il a rencontré la sœur de la femme de son frère, sa belle-sœur, Pauline. Il en est tombé amoureux, mais il est loin, séparé d'elle. Même la correspondance pose des problèmes, parce qu'en ce temps-là, un jeune homme n'écrit pas une jeune fille. Il est seul dans Paris, alors il ne peut trouver de
de consolation que par le travail. C'est ce qu'il va faire. Le voilà à la Bibliothèque nationale, sans cesse, du matin au soir. Il y a à la Bibliothèque nationale des manuscrits coptes, des livres coptes. Il perfectionne son copte. Et puis, il découvre qu'à Paris, il y a des coptes. Miracle. Mais oui, parce que quand l'armée de Bonaparte était revenue en France, eh bien, il y avait des Coptes qui avaient à l'époque un peu collaboré avec cette armée française qui avait trouvé plus prudent de quitter l'Égypte. Alors, il rencontre ces Coptes qui sont souvent des lettrés, il parle avec eux et les assaille de questions. Est-ce que, à travers le Copte, il y a des souvenirs de l'ancienne Égypte? On lui répond, il n'y a pas vraiment de souvenirs de l'ancienne Égypte. Et il apprend qu'un prêtre copte célèbre la messe à Saint-Roch et il va désormais assister à la messe copte de Saint-Roch. C'est cela, François Champollion. On l'a présenté à l'un de ses professeurs du Collège de France, qui est Sylvestre de Sacy, et oui. Et bien entendu, il assaille Sylvestre de Sacy de questions sur les hiéroglyphes, et Sylvestre de Sacy lui explique pourquoi il a échoué, pourquoi Akerblad a échoué, pourquoi Thomas Young, un Anglais, celui qui est allé le plus loin avant Champollion, n'y arrive pas non plus. Et Sylvestre de Sacy écrira plus tard qu'il a été ébloui par cet adolescent. Alors il rencontre également Jomard, qui est chargé de la publication de la description de l'Égypte. Elle n'est pas encore publiée à ce moment-là. Et Jomard reçoit avec bienveillance cet adolescent, avec indulgence, un savant, un adolescent, on voit très bien les rapports, jusqu'au moment où Champollion lui montre sa carte de l'Égypte ancienne, parce que Jomard en a fait une lui aussi. Et elle est vraiment très primaire par rapport à celle de Champollion. Alors Jomard, d'un seul coup, n'est plus du tout indulgent. Et Champollion trouvera en lui désormais un ennemi, qui le poursuivra de sa vindicte pendant toute sa carrière. Oui, même parmi les grands esprits, enfin ceux qui devraient être dotés de grands esprits, eh bien il y a des petitesses, bien sûr. Et celle-là fera beaucoup de mal à Champollion. Ses études et ses recherches, il les mène de pair. Mais de quelle façon et dans quel cadre? Il habite une soupente, il mange très peu, pas question de se chauffer l'hiver, il vit très, très pauvrement, avec uniquement le peu d'argent que lui envoie son frère, parce que le frère lui envoie de l'argent, le frère qui est pourtant marié, qui va avoir des enfants, et qui lui-même gagne très peu, parce que les professeurs, ça gagne très peu. Alors, quelquefois, pour acheter un livre, il écrit à son frère, et le frère ne peut pas lui envoyer l'argent supplémentaire. Cette semaine-là, il ne mange pas du tout. Et au cours de l'hiver suivant, qui est glacial et très humide, il commence à tousser. Ce sont les premières atteintes de la tuberculose. Et à cette époque-là, on ne soigne pas la tuberculose. Ce qui se passe également en ce temps-là, c'est l'ascension fulgurante de Napoléon, la conquête de l'Europe. Alors, pour occuper l'Europe et faire front à ces coalitions qui se nouent sans cesse contre lui, Napoléon a besoin de plus en plus d'hommes. Et arrive l'année où Champollion va être appelé. Et il ne veut pas partir. Comment interrompre ses travaux? Mais c'est impossible, il l'espère sur la bonne voie. Alors c'est Figeac encore qui le sauve. Il a des amis haut placés, il les fait intervenir. On parle de la mauvaise santé de François Champollion, et c'est vrai. On parle aussi des travaux qu'il est en train de mener à bien, et c'est vrai également, et il ne part pas. En 1809, il est docteur. Il a 18 ans.
et il est nommé professeur à l'université de Grenoble. Professeur d'université à 18 ans. Et les élèves qu'il aura à Grenoble, ce sont ses anciens condisciples et même certains de ses anciens maîtres. Ce qui le rejoint très vite, c'est la politique. Est-ce qu'il est quelque chose en politique? À 12 ans, un jour, il a déclaré « Je suis républicain ». Et pendant l'Empire, il n'était pas bonapartiste. Et il a expliqué pourquoi. Il pensait que la science et la connaissance exigeaient la liberté d'esprit et que la liberté d'esprit ne pouvait s'exercer que dans la liberté politique. On ne connaissait pas la liberté sous le règne de Napoléon. On vivait sous un homme de génie, mais on n'était pas vraiment libre. Alors, la campagne de Russie, la campagne d'Allemagne, la campagne de France, étapes successives de la chute du géant, eh bien, il les avait accueillis sans défaveur. Napoléon à l'île d'Elbe, eh bien, c'était peut-être la liberté qui allait être donnée à la France. Non, c'était les Bourbons, et malgré l'intelligence profonde de Louis XVIII, qui tentait de son mieux de réconcilier les Français, eh bien, pour Champollion, la France était revenue à un état qu'il n'acceptait pas, conservatisme, revanche, esprit rétrograde. Et quand Napoléon s'évade de l'île, quand il débarque à Golfe-Juan, eh bien, le jeune professeur Champollion applaudit. Quand Napoléon entre dans Grenoble, un homme seul qui prend possession d'un pays, là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Eh bien, le jeune Champollion est heureux. Napoléon reçoit le maire, Napoléon qui dira « Avant Grenoble, j'étais un aventurier. À Grenoble, j'étais un prince. » Oui, il reçoit le maire qui s'est rallié à lui, parce que, bien entendu, les hommes sont les hommes. Dès qu'il arrive quelque part, on se rallie à lui. Et il dit, il me faut un secrétaire. Le maire se demande, un secrétaire, il dit, j'ai quelqu'un pour vous. Et il pense à Figeac. Comment s'appelle-t-il? Et le maire répond, en se trompant d'abord, Champollion. Oh, dit Napoléon, la moitié de mon nom. Voilà un bon présage. Et Figeac doit se présenter le lendemain auprès de l'empereur et il se fait accompagner par son frère, qui est ravi parce que François Champollion, sa curiosité, n'a d'égal justement que celle de Napoléon Bonaparte. Et Napoléon l'interroge, il interroge tout le monde, il veut savoir, il veut comprendre. Qu'est-ce que vous faites, professeur à l'université, sire? Vous avez des travaux en train? Oui, sire. Qu'est-ce que c'est, vos travaux? Eh bien, sire, j'écris une grammaire copte. Et je travaille un dictionnaire copte. Vous en êtes loin de votre dictionnaire copte? J'en suis à la page 1055, mais ça n'est qu'un début. Très bien, dit Napoléon, tout de même un peu étonné. Eh bien, à Paris, je ferai imprimer votre grammaire et votre dictionnaire. Le lendemain, il part. Naturellement, il ne fera jamais imprimer le dictionnaire et la grammaire parce qu'il n'a pas le temps. L'épopée ne dure que 100 jours, au bout de la route il y a Waterloo, et encore un peu plus loin il y a Sainte-Hélène. Mais voilà, les Bourbons reviennent, et Champollion et son frère Figeac sont dénoncés comme s'étant ralliés à l'usurpateur, ce qui est vrai. Vous savez, il y a une épuration en 1815, et en certains endroits, elle se change en terreur blanche. On tue au cours de cette épuration. Le maréchal Brune est assassiné, puis d'autres. Alors les deux frères Champollion, eux, ont la vie sauve, mais ils sont cassés d'abord de leur poste et assignés à résidence, on leur désigne Figeac. Et ils s'en vont à pied jusqu'à Figeac, retrouvent la maison familiale, l'exil va durer un an et demi. Et pendant ce temps, François Champollion travaille à sa grammaire copte, à son dictionnaire copte, et il travaille au déchiffrement des hiéroglyphes, car il n'a pas perdu de vue son but.
Il a dit, il a promis, il s'est promis, je déchiffrerai les hiéroglyphes. Il peut rentrer à Grenoble. Mais voilà, c'est que dans le Dauphiné, on conspire. Il y a beaucoup d'endroits où l'on conspire contre les Bourbons. Et il faut dire la vérité, Champollion conspire. Et arrive le moment où la police sait qu'il conspire. Alors là, c'est très dangereux parce qu'on peut l'arrêter. La prison, peut-être même pire. Le peloton d'exécution, il faut qu'il se cache. Et vous savez où il se cache? À Paris. Et ça a dû être fort dur pour lui, parce que Pauline, ses premières amours, eh bien Pauline est morte, et il en a eu un immense chagrin. Mais au retour de Figeac, il a fait la connaissance d'une cousine de sa belle-sœur. On a l'impression qu'il ne peut tomber amoureux que de la parenté de sa belle-sœur. Elle s'appelle Rosine, et il l'a épousée. Mais il faut qu'il se sépare d'elle alors qu'il est jeune marié, pour se cacher à Paris. Et quand on fait le décompte des mois qu'a passé Champollion avec sa femme jusqu'à ce que la mort les sépare, eh bien, il n'y en a pas tellement. Ça n'a pas été très drôle, finalement, pour Rosine d'être la femme de Champollion. Et puis, arrive le moment où les années ont passé, où on oublie, en politique, on oublie. Et puis, on intervient en faveur de Champollion, il y a des gens. Des légitimistes, des amis du roi qui signalent qu'il faudrait ne plus penser à François Champollion comme à un ennemi politique, mais surtout l'aider à poursuivre une carrière qui était déjà éblouissante et qui, certainement, si on l'aidait, le serait davantage. Alors il retrouvera un certain nombre de postes, fort mal payés d'ailleurs, mais enfin qui lui permettent de vivre très mal, mais de vivre et de continuer. Jusque-là, il n'a pas osé aborder la pierre de Rosette, la fameuse pierre de Rosette. Il n'a pas osé parce qu'il se disait que tant de grands savants plus âgés que lui, plus célèbres, s'étaient cassés les dents sur cette pierre, avaient travaillé pendant des mois, des années sans rien trouver. Comment lui, jeune homme, trouverait-il? Et puis, bon, il le fallait. Il s'est procuré une copie de la pierre de Rosette et s'est mis à étudier les inscriptions. Et du premier coup, je dis bien du premier coup, il a pu isoler déjà un certain nombre de signes, un certain nombre de lettres. Dans le passé, les écrivains antiques avaient donné des explications sur ces hiéroglyphes. Elles étaient fausses. Un seul était allé plus loin, un certain Hérapollon. Mais il continuait à dire que la base des hiéroglyphes, c'était le symbolisme. Chaque signe était un symbole, et c'est vrai. Parce que l'eau, par exemple, c'est un trait ondulé. Un état est représenté par un drapeau. Une maison est représentée par un plan. Tout ça sont des symboles. Mais Hérapollon était le seul à avoir signalé qu'il n'y avait pas que des symboles dans les hiéroglyphes. Et Champollion, lui, allait être le seul à se diriger tout droit dans cette autre direction que signalait Hérapollon et que les autres chercheurs n'avaient pas suivi.
Champollion allait être le premier à comprendre qu'en fait, on avait eu tort jusque-là de chercher à déchiffrer les hiéroglyphes comme une écriture unique à travers tous les siècles. Les hiéroglyphes avaient eux-mêmes évolué avec les siècles. Si au début ils étaient purement symboliques, à mesure que s'écoulait le temps, ils ne l'étaient plus totalement. Ce que Champollion était en train de découvrir, c'est que peu à peu, les signes symboliques avaient laissé la place à des lettres, ou tout au moins à des sons qui pouvaient correspondre à des syllabes. Et ça, c'était énorme d'avoir compris cela. Une première fois, Champollion s'était approché de la vérité. Il avait cru reconnaître dans le signe du serpent couché la lettre F. Une lettre, mais comme tous les autres, tous ceux qui l'avaient précédé, avaient écrit, répété, il n'y a pas de lettre dans les hiéroglyphes. Il avait repoussé ce raisonnement en se disant « Non, je suis fou, puisque les autres ne l'ont pas retenu, comment moi le retiendrai-je » Et voilà que peu à peu, après des années d'errements, de recherches, de progrès, et aussi de marche en arrière, voilà qu'il revenait à cette première constatation. Alors la pierre de Rosette, il était penché sur elle sans cesse. Alors il y avait ce nom de Ptolémée. En grec, on savait qu'il y avait le mot Ptolémée. Alors où le chercher dans ces signes hiéroglyphiques? Or, Champollion allait remarquer que dans l'inscription en hiéroglyphe, il y avait un mot entouré. Plus tard, on appellera ça un cartouche. Un mot entouré. Et Champollion s'est dit que si on entourait un mot, c'est probablement que ce mot était le plus important. Quel mot, dans une inscription égyptienne, pouvait revêtir le plus d'importance, sinon le nom du souverain, le nom du pharaon? Alors il a pris, il a transporté les différentes lettres du mot Ptolémée, les lettres grecques, et les a installées sous les différents signes hiéroglyphiques dont il supposait qu'il représentait Ptolémée. Et il y avait le même nombre. C'était déjà un énorme progrès. Ce qui allait lui faire franchir une étape considérable, c'est qu'en 1821, on apportait à Londres un obélisque qui venait de Philae, en Égypte, bien sûr, et que cet obélisque comportait lui aussi deux genres d'inscriptions, des inscriptions en hiéroglyphes et des inscriptions en grec. Il y avait aussi le mot Ptolémée deux fois, qui correspondait bien sûr à ce qu'avait cru trouver Champollion, mais il y avait aussi le nom Cléopâtre. Cléopâtre en grec et en hiéroglyphes. Il n'y a qu'à voir les deux mots, Ptolémée et Cléopâtre, pour s'apercevoir tout de suite qu'il y a des signes communs, des lettres communes, le L, le T, le O. Et voilà que le système mis au point par Champollion s'appliquait aussi au mot Cléopâtre. Et ça fonctionnait. Et ce jour-là, mettez-vous à la place d'un chercheur comme lui, il sent qu'il approche, qu'il gagne, qu'il va gagner. Et bientôt, il peut lire 12 signes, qui sont 12 lettres, parmi les hiéroglyphes. C'est immense.
Et le 14 septembre 1822, nous en revenons à cette date que j'ai déjà prononcée plusieurs fois devant vous. Le 14 septembre 1822, il vient de recevoir par la poste un envoi d'Égypte. C'est l'architecte Hoyo qui voyage là-bas et qui lui envoie la copie de bas-relief qu'il a effectué lui-même. Et Champollion est penché sur une première feuille dont il sait par Hoyo que c'est la copie de motif qui se trouve à Abou Simbel. Or, il y a aussi un cartouche, ce qu'il appelle maintenant un cartouche royal parce qu'il en est sûr. Ce cadre entouré, aussi bien le nom de Ptolémée que le nom de Cléopâtre, il est sûr maintenant qu'on entoure les pharaons ou les reines d'un cartouche. Et il y en a un. Et il reconnaît un son qu'il a déjà isolé, qui est Metz, dans ce cartouche. Et puis au-dessus, il y a le disque solaire, le signe du dieu soleil, et il sait déjà que cela se prononce Ra ou Ré. Alors, il va associer les deux sons. Et il prononce à haute voix Ra, Ré, Metz, Ra, Metz, Ré, Ré, Metz, Ra, Ra, Metz. Et tout à coup, il y a un nom qui jaillit littéralement de sa bouche. Il le crie Ramsès. Connaît l'existence de Ramsès, parce qu'on connaît par les anciens auteurs grecs la liste des principaux pharaons, Ramsès le Grand. Il a trouvé Ramsès. Il regarde la seconde feuille. Il y a d'autres inscriptions, à nouveau cartouche royale. Et là, le dieu Thoth, il le reconnaît. Et le même son, Metz, et ça fait Thoth, Metz. C'est un autre pharaon connu, Thotmès. Il a trouvé, car maintenant son système fonctionne. Il peut lire à partir de ce système, il peut lire les hiéroglyphes. Et c'est alors qu'il prend ses documents sous le bras, qu'il dévale l'escalier, qu'il court jusqu'à l'institut, qu'il entre chez son frère Figeac et qu'il crie « Je tiens toute l'affaire ». Quand il s'éveillera de son coma, il va saisir sa plume et écrire d'un trait la fameuse lettre à M. Dacier. M. Dacier était un très grand savant, fort âgé, qu'admirait beaucoup François Champollion. Et c'est à lui qu'il écrit cette lettre publique, dans laquelle il expose son système de déchiffrement des hiéroglyphes. Et cette lettre, il va la lire devant l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Et la presse va annoncer au monde que François Champollion a réussi à lire les hiéroglyphes. La joie est immense en France, la réserve est plus grande à l'étranger, ce qui est assez normal. On aurait préféré que ce fût par exemple en Angleterre Thomas Young qui avait frôlé la découverte, mais qui s'était arrêté en chemin. Et 2 ans plus tard, Champollion publie un précis dans lequel il développe son système et pendant ces 2 années, il est allé beaucoup plus loin encore. Il continuera, parce que, en fait, là, ça n'est que l'origine du système. Il lui faudra encore des années pour pouvoir tout lire et surtout indiquer aux autres comment tout lire. Il est arrivé au moment où un savant veut vérifier ce qu'il a trouvé. Car le comble dans cette histoire, c'est que
Champollion a accompli sa découverte sans avoir jamais mis les pieds en Égypte. Alors, maintenant, il faudrait qu'il aille en Égypte. Mais avant, il sait que les plus belles collections de papyrus sont en Italie. Et il va obtenir des fonds du gouvernement français. Jusque-là, il n'a pas été gâté. On ne l'a pas aidé du tout. Mais enfin, là, sa renommée commence à devenir considérable. Alors on débloque quelques crédits qui lui permettront de voyager en Italie. C'est ainsi qu'on le verra à Naples, qu'on le verra à Rome, ou au Vatican, on lui demande de classer les collections égyptiennes. On le voit à Florence, on le voit enfin à Turin. À Turin, où il y a une collection unique de papyrus. Il va vivre des mois parmi ces papyrus. Et chaque fois qu'il déchiffre un papyrus, et il les déchiffre tous, son bonheur augmente et en même temps sa connaissance de l'ancienne Égypte. Il déchiffre un rituel funéraire tout y est des mœurs des anciens Égyptiens, de la place qu'ils donnaient à la mort, des soins dont ils accompagnaient les morts jusque dans l'au-delà, des raisons pour lesquelles on plaçait tant d'objets dans les tombeaux, tout y est. Et puis on lui dit qu'il y a aussi d'autres papyrus sous les combles et que malheureusement le temps a fait des ravages. Il y monte et ce qu'il trouve par terre, c'est une poussière de papyrus que le temps a détruit. Il marche sur cette poussière, il enfonce dans ces papyrus, trouve des morceaux, des débris affolés, heureux en même temps d'avoir pu plonger dans cette Égypte ancienne qu'il est en train de reconquérir. C'est cela le parallèle qu'on peut faire entre Napoléon et Champollion, des contemporains. Napoléon a voulu conquérir l'Europe. Champollion a voulu reconquérir l'Égypte. Le gouvernement, après lui avoir confié la direction du département que l'on crée au Louvre des antiquités égyptiennes, le subventionne, comme on dirait aujourd'hui, pour qu'il parte pour l'Égypte avec toute une expédition, des savants français, des savants italiens. Il débarque à Alexandrie, le voilà au Caire. Et le voilà avec ses compagnons sur le Nil, dans ses felouks. Actionné par des rameurs et quand le vent est favorable, on hisse la voile triangulaire, cette voile qui est celle des anciens Égyptiens. Et nous suivons dans les lettres qu'il adresse à son frère, Figeac, parce qu'il ne cesse d'écrire à son frère et c'est un trésor que cette correspondance. Et on découvre tout ce qu'il ressent. Et voyez-vous, nous qui venons de suivre cet homme, eh bien, son bonheur, ce bonheur qu'il exprime, nous le comprenons. Et nous le sentons et nous le vivons avec lui. Alors nous le voyons demander au rameur d'arrêter la felouque parce qu'il vient d'apercevoir un temple. Mais c'est un homme gravement atteint qui est en Égypte, qui voit l'Égypte, qui visite l'Égypte. Ces années où il n'a pas mangé à sa faim, ces années où il a eu froid, ces années de combat, de lutte, l'ont épuisé. Il faut maintenant le porter souvent à terre, jusque dans les temples qu'il visite. La tuberculose accomplit des ravages affreux. Il grelotte de fièvre, même en plein soleil, surtout en plein soleil. Mais lorsqu'il pénètre à Karnak, pareil, il est bouleversé. Et puis surtout, dans tous ces monuments qu'il visite, criblés d'inscriptions, il les regarde, ces inscriptions, et il les comprend.
Il est le premier, et ça se sait en Égypte, et les fellahs arrivent pour voir passer ces felouks, pour regarder de loin l'homme qui lit les vieilles pierres, le seul au monde. Il rentrera en France, et là on les lit à l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Il s'était déjà présenté. Il avait échoué. On lui avait préféré un professeur qui portait le nom de Pardessus. Ce n'était pas de sa faute. Mais Champollion avait déclaré alors, oui, on m'a mis par-dessous, par-dessus. On crée pour lui, pour la première fois dans l'histoire, une chaire d'égyptologie au Collège de France. Il ne peut y faire que quelques cours. Il s'arrête au milieu du dernier. On le transporte chez lui. Il est à bout de force. Il souffre à la fois de tuberculose, de diabète, d'une maladie de foie, que les médecins attribueront à juste titre à l'eau du Nil qu'il a bu. Il y a une lettre à son frère dans laquelle il dit « Il n'y a rien de meilleur que l'eau du Nil, j'en bois sans cesse. » Mais nous savons que ces bestioles, si j'ose dire, qui rendent aujourd'hui l'eau du Nil absolument dangereuse et même mortelle quelquefois pour des Européens qui ne sont pas habitués, eh bien, elles portaient les mêmes bestioles à l'époque. Donc, son organisme était arrivé encore plus affaibli en Europe. Il est couché et tout à coup, une attaque d'apoplexie en place. Le voilà paralysé. Il peut encore prononcer quelques mots. En janvier 1832, son frère, sa femme, sa fille qui a 8 ans, l'entendent dire « Ah mon Dieu, 2 ans encore !» Pourquoi pas? Et un peu plus tard, portant la main à son front, c'est trop tôt. Il y avait encore tant de choses là. Il va perdre connaissance. Et ne retrouver sa lucidité que le 3 mars. Il dit adieu à son frère, à sa femme, à sa fille. Et comme il peut de nouveau s'exprimer, il demande qu'on lui apporte ces objets égyptiens qu'il a collectionnés avec tant de ferveur. Et on les lui apporte, on pose sur son lit les papyrus et tout ce qu'il possède. Il regarde tout cela, littéralement fasciné. Et c'est en les regardant qu'il ferme les yeux définitivement. Il a 41 ans. Alors tous ces touristes qui vont aujourd'hui en Égypte, et ils ont raison d'aller en Égypte parce que c'est un voyage qu'on n'oublie jamais. C'est le plus beau des voyages qu'on puisse faire. Tous ces touristes qui reviennent avec le souvenir d'images éblouissantes, mais aussi qui sont capables de situer des hommes derrière ces images, à qui l'on a raconté l'histoire de l'ancienne Égypte, eh bien tous ces touristes devraient sans cesse avoir un nom à la mémoire, celui de François Champollion, parce que c'est grâce à lui qu'ils peuvent connaître cette histoire. Champollion, c'est la victoire de l'esprit. Champollion, c'est la victoire de la foi créatrice. C'est la victoire de l'enthousiasme. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même, l'enthousiasme, c'est le secret de la vraie vie.